Le football turc part totalement en vrille. Des bagarres générales en 3ème division, un président de club qui demande à ses joueurs de quitter le terrain, et surtout le gros scandale, c'est l'arbitre roué de coups par un dirigeant. Mais que se passe-t-il vraiment dans le football turc? Avant que je t'explique, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Le 11 décembre 2023, le football turc a vécu l'un de ses plus gros scandales. Lors d'un match entre Ankara Gücü et Rizespor, l'arbitre Anil Umutmeler a été agressé par le président d'Ankara Gücü. La raison, Faruk Kocha estimait que l'arbitre avait offert le match à Rizespor qui venait d'égaliser dans le temps additionnel. Et Kocha a évidemment été sanctionné et a démissionné par la suite. Cet épisode démontre tout de même du mal qui ronge le football turc. Car depuis près d'une décennie, le climat autour de l'arbitrage est très tendu dans le pays. Et c'est en partie à cause du scandale de corruption de la part de Fenerbahçe qui avait éclaté en 2011. Si le club stambouliot a été acquitté en 2015 de ses accusations, les doutes, eux, ne se sont jamais envolés. Car depuis quelques temps, la confiance envers le corps arbitral est au point mort. Alors d'accord, en tant que fan de foot, on a tous déjà accusé un arbitre de favoritisme. Sauf qu'en Turquie, les médias le font aussi et même les clubs y vont de leur communiquer régulièrement après un mauvais résultat. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ou Trabzonspor, et ils l'ont tous fait. Un comportement qui a été dénoncé par Mehmet Büyükekşi, le président de la fédération. Selon lui, les médias et les clubs ont joué un rôle primordial dans le climat anti-arbitres qui ont mené à l'agression d'Anil Umutmeler. Sauf que le président, arrivé en 2022, n'a rien fait pour calmer les tensions autour des arbitres. Au contraire. Il y a quelques jours, Ali Palabeyik, ancien arbitre, a réglé ses comptes avec Mehmet Büyükekşi. Selon lui, le président de la Fédé nomme et désigne l'arbitre qu'il veut au match qu'il veut. Toujours selon ses propos, il harcèle les arbitres et lui aurait dit qu'il ne lui fait pas confiance après une erreur. Le président de Fenerbahçe, Ali Koç, a déclaré en octobre dernier que 4 arbitres avaient été nommés alors qu'ils devaient faire l'objet d'une enquête pour mauvais arbitrage. Bref, pas de quoi calmer les accusations de corruption des arbitres et de la Fédé de la part des clubs. Et le 19 décembre dernier, un autre scandale a éclaté lors du match entre Istanbulspor et Trabzonspor. Après un penalty non sifflé par le corps arbitral, le président d'Istanbulspor, Ecmel Sarıyaloğlu, a fait arrêter le match. Le dirigeant de la Lanterne Rouge de Super League a même demandé à ses joueurs de quitter le terrain. Et ce, malgré les supplications du joueur Simon Deli qui s'est mis à genoux devant son président pour pouvoir continuer le match. Bref, le football turc va mal et rien n'est fait de la part de la fédération, des médias et des clubs pour arranger la situation. L'agression d'Umutmeler a fait du bruit certes, mais elle pourrait bien être oubliée et se reproduire d'ici quelques temps si rien ne change. Après tout, en 2016, un supporter turc avait bien agressé un arbitre et plus personne n'en parle. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la situation dans le football turc? Dis-le moi en commentaire.